Ce matin, dans la suite de ce que nous avons vu, roi et sacrificateur, ce matin, nous allons voir et notre titre, fils de l'homme, lève-toi et exerce ta domination. Fils de l'homme, lève-toi et exerce ta domination. Nous avons vu roi et sacrificateur. Regardez bien, fils de l'homme. Écoutez, quand je vous suis en train de vous parler sérieusement, écoutez et regardez dans votre vie, il y a des points dans votre vie où vous n'avez pas maîtrisé encore, vous ne contrôlez pas. Dieu a dit d'être fécond, de se multiplier, de remplir et d'assujettir et de dominer. Tu n'es pas un assujettisseur ni un dominateur. C'est pourquoi tu es dominé et tu es assujetti. Écoutez, Adam n'a jamais pu accomplir ces cinq versets-là, sauf le verbe bénir seulement. Le reste là, fécond là, rien. Adam, avant qu'il ne commence ça, Satan l'avait déjà assujetti. Adam patron, puis de quoi quand Samba barque en pour rendre ta signe de à cause de quoi? Qu'est-ce qui a fait tomber Adam et Ève? C'est quoi? Adam là, ouais, ouais. C'est les. Ya. Et là. T'as reçu? Les pensées là. Ya, t'as reçu? N'importe quoi. La bouche physique, ils ont mangé, non? C'est la même chose. On mange la parole de Dieu, on mange la nourriture physique, on mange aussi les paroles de Satan. Donc, depuis ce temps-là, Satan sait que si un homme ne contrôle pas ses pensées et sa langue, cet homme-là, il sera vaincu. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il sera vaincu. C'est pourquoi vous voyez des grands militaires, quand vous voyez leur vie, ça ne va pas. Ils sont courageux avec les armes. Vous voyez des grands philosophes, quand vous regardez leur vie, vous ne voyez rien de bon à tirer. Vous ne voyez rien de bon. Il n'y a pas de bon son à pour un. C'est quand je vous dis, écoutez-moi, jeune fille, dès maintenant, apprenez à colorer votre vie avec la parole de Dieu et votre langue. Vous avez beau prier, quand vous avez fini de prier, c'est ça qui a détruit Job. Il y a rien sans ma Job, ouais. C'est ça qui a détruit Job. Il y a nous, le woman sans ma Job. T'as pas Job, il peignait et de façon discrète, intérieure sa vie. À Job, la seule remède dit que le corps ne ressemble pas sombre. On doute de vous, apparemment, c'était un homme saint. Il faisait, il donne des holocaustes. Mais quand les problèmes sont arrivés, Job nous révèle qu'en réalité, lui, ses pensées étaient remplies de peur. Et c'est pourquoi il parlait. Il nous révèle tout. On est étonné. On est étonné de voir que Job se détruisait alors que tout le monde pensait qu'il était un champion. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc il avait des pensées de peur en lui. Les pensées de peur attiraient Satan. C'est pourquoi Satan était derrière Job régulièrement. L'arabie m'a torsé la tagda sur le temps. Il a sur le temps de pour la joie. Tu dis que Satan est derrière toi, mais qu'est-ce que. Écoute-moi, mon frère, viens poser de la viande pourrie ici. Et l'autre côté va poser un endroit qui est pur, pur, pur. Les mouches vont aller où? Satan, on dit Satan, Belzébul, c'est quoi? C'est le prince de quoi? Belzébul, il y a Jean, ça n'a pas.
Tes pensées sont de la viande pourrie ou de la viande fraîche. Et tes pensées pourries attirent le prince des mouches. Il amène avec lui les mouches, les démons. Tu n'as qu'à beau prier. Si tes pensées sont négatives, si tes paroles sont négatives, ça ne va pas changer ta vie. Ta vie est égale à la somme de tes pensées, dit la Bible. Un homme est tel que sont ses pensées. Il y a des choses, il y a des faits. Il y a des paroles qui sont des faits. Il ne faut même pas essayer d'aller prier, de lutter. Vous luttez inutilement. Parce que ça n'affecte pas Satan. On va gêner, tu vas gêner pourquoi? Tu vas gêner avec des pensées négatives. Tu finis tes pensées, le jeûne avec tes pensées négatives, avec des paroles négatives. Donc, vaut mieux aller gêner encore, il n'y aura rien qui va se passer. Laissez-moi vous parler de l'expérience de 40 ans. L'expérience de 40 ans de la vie chrétienne, j'ai vu des grands hommes de Dieu qui avaient une onction, qui guérissaient les malades. Regarde, ils ont disparu quand les histoires filent. À 60 ans, ils sont déjà éteints. 60 ans, ils ont déjà pris leur retraite. 60 ans, ils tiennent même plus sur leurs pieds. Des hommes de Dieu en qui se trouve la vie divine, en qui se trouve la vie Zoé. Et à 60 ans, ils tremblent déjà de leur carcan, ils ne peuvent pas tenir. Quelque chose ne va pas. Dieu a dit le minimum c'est 70 ans. Mais qui détruit? C'est toi-même. C'est ce que je vous dis là, prenez garde. Cette année-là, Dieu nous a parlé. Donc, il dit fils de l'homme. Lève-toi. Et exerce ta domination. Tant que tu resteras assis, je ne parle pas de position physique simplement. Position de nonchalance. Position de quelqu'un qui ne fait rien. Tu as beau attendre, rien ne viendra. Dieu ne fait plus rien. Dieu a fini de faire. Dieu dit soyez fécond, assujettissez et dominez. Il n'a pas dit lui. Il a dit ça à Adam. Il a dit à Adam, voici l'arbre de la vie. Voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a refusé d'aller manger l'arbre de la vie. Il a attendu que Satan vienne lui enlever son droit d'aînesse. Vous attendez quoi? Dieu vous a dit que vous êtes ça. Aucune personne ne devient champion du monde avec médaille d'or. Il ne commence pas le même jour. Le coureur de 1000 mètres là, il commence, il titube. Personne, même un oiseau, un aigle ne vole pas le même jour. Dieu vous enseigne pas les choses naturelles. Un aigle. Qui dans 6 mois va aller au-dessus des nuages là, au moment où il est mis bas là, il est là, il ne peut pas voler. Il faut qu'il s'exerce. Il faut qu'il fasse ce que sa mère aigle lui dit. Les animaux obéissent à cette loi de la croissance. Les arbres obéissent à cette loi de la croissance. Les chrétiens refusent. Ils disent que Dieu n'est pas responsable de ta vie. Non. Dieu a sauvé ta vie. Il l'a remis sur les rails. C'est à toi de conduire la locomotive de ta vie. Dieu ne conduit la vie de personne. Il a mis en toi le Saint-Esprit. Tu as la parole. Et tu as ta bouche. Tu as tes pensées. Dieu dit maintenant, conduis ta vie. Conduis ta vie. Conduis-la. Ah, Dieu, mais Dieu dit, non. Je t'ai tout donné. C'est pas le chef de gare qui conduit le train. C'est le conducteur de train qui est dans le train là qui conduit.
On lui donne une feuille de route. Quand là, nantui, ce train doit quitter Ouagadougou pour Abidjan. Tu as tout là-dedans. Tu as l'essence. Tu as tout. Tu as les rails. Tu as des yeux. Amène le train à. Il n'attend pas. Amène le train à Abidjan. Dieu te dit, je suis venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Je t'ai donné ma parole. Tu as tout. Alors, conduis le train de ta vie jusqu'à bon port. C'est pourquoi dans chaque train, on met un mécanicien. Qui est capable de réparer ton train. Le Saint-Esprit en toi, il est capable de réparer chaque fois que tu tombes en panne. Chaque fois que tu tombes en panne, il te répare. C'est son travail. Alors, fils de l'homme, ça n'est assez, tu dois te lever. Dominer veut dire quoi? Dominer veut dire simplement exercer l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour contrôler, soumettre. Mon frère, un ennemi, une situation ou des circonstances. Je reprends, dominer c'est quoi? Quand on dit à quelqu'un de dominer, on dit à la personne d'exercer. D'exercer quoi? L'autorité que le Seigneur lui a donnée. On ne peut pas dire de dominer si tu n'as pas la domination. On peut te dire, lève-toi manger s'il n'y a pas déjà la nourriture qui est déjà posée. Il y a des choses simples où vous compliquez votre vie. Si quelqu'un dit, venez, on va manger, ça veut dire que quoi? Il y a déjà la nourriture. Il t'invite à te lever, on ne te demande pas d'aller faire la nourriture, on te demande de venir manger la nourriture. Ta responsabilité, c'est de te lever, de venir t'asseoir et de manger. Dieu ne vous a pas rendu responsable ou quoi que ce soit. Dit, je vous ai donné la domination. Je vous ai donné l'autorité. Vous devez l'exercer. Pour faire quoi? Contrôler. Soumettre. Pour faire quoi? Pour donc dominer, donc amener dans la direction que vous voulez une situation, un ennemi ou des circonstances. Ça peut être des circonstances morales. Ça peut être des circonstances émotionnelles. Ça peut être des circonstances. Tout. Dieu nous a donné ça. Les problèmes et les difficultés sont sur la terre, frère. Chaque jour, nous sommes confrontés à des problèmes de tout genre. Dieu dit que vous aurez des tribulations. Frère. Tant que ce n'est pas arrivé, il n'y a pas de problème. Quand ça arrive, retourne-toi vers Dieu. Repose-toi sur Dieu. Et regarde attentivement ce qu'il va faire. Il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu ne veut pas nous parler aujourd'hui. Mais Dieu sait, il sait que nous sommes blessés. Il le sait. Il faut comprendre Dieu. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui souffre sans que Dieu ne souffre. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui souffre sans que Dieu ne souffre. Il n'y a aucun père ou une mère dans ce monde-là qui voit son enfant souffrir sans souffrir. La même souffrance que vous avez pour vos enfants. Qui vous a donné ça? Qui vous a donné cette capacité de souffrir? Parce que Dieu souffre, c'est pourquoi il vous a rendu capable de souffrir. Dieu souffre. Il souffre pour ses enfants. Il a dit qu'il est affligé. Pas il y a des choses qui nous arrivent par Satan. Il y a des choses qui nous arrivent par ignorance. Il y a des choses qui nous arrivent par désobéissance. Mais Dieu ne va pas nous juger parce que tu as désobéi, tu souffres. Dieu regarde ta souffrance. Il dit, mon enfant, il ne fallait pas désobéir. Comme tu as désobéi, tu souffres maintenant. Je suis là avec dans ta souffrance. C'est ça, sa force. Ça, c'est important. Quand nous comprenons ça, nos cœurs sont guéris rapidement. Nos cœurs, c'est pourquoi David était un homme qui était guéri rapidement. Guéri rapidement. Parce qu'il comprenait le cœur de Dieu.
David comprenait le cœur de Dieu. David, Dieu ne répond pas au pourquoi. Dieu dit, viens à moi. Dieu nous a donné l'autorité. Jésus dit dans Matthieu 28, 18, il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est la tête de l'église. Écoutez-moi, je suis en train d'aller doucement avec vous ce matin. Jésus est la tête de l'église. Donc l'église est composée de deux parties. Matthieu 28, 18. L'église est composée de deux parties. La tête qu'on appelle Jésus. Et le corps, ça c'est nous. Comprenez? La tête dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez ça. Lui, il est, actuellement, il est où? Qui est sur la terre? Lui, il est quoi? La tête. Moi, je suis quoi? Je fais partie de quoi? Jésus me dit, le même pouvoir, la même, c'est pas puissance, la même autorité qui m'est donnée à moi dans le ciel est la même autorité que mon corps a sur la terre. Quand on honore ta tête, on a déshonoré tes pieds. Hein? L'honneur qui est sur la tête vient sur quoi? Les deux sont liés étroitement, la tête et le reste du corps. Il dit, l'autorité m'a été donnée dans le... Est-ce que tu es au ciel actuellement? Toi, tu es où? Il te dit, quant au ciel, là, ne t'inquiète pas, c'est moi qui contrôle là-bas. Sur la terre, toi aussi, tu n'as qu'à contrôler. Il y a deux contrôleurs, le contrôleur d'en haut et le contrôleur d'en bas. Donc, l'affaire est déjà réglée. Le ciel est scellé. Toi, tu scelles là. C'est pourquoi il dit tout ce que vous allez lier sur la terre est quoi? Parce que le ciel et la terre sont liés par qui? Vous avez l'air de vous regarder comme des individus. Vous n'êtes pas des individus. Non. Vous faites partie d'un corps. Est-ce que mes intestins sont à part? Ils sont dans mon corps. Ils ont une partie de mon autorité. Mes intestins exercent leur domination. Quand j'envoie la nourriture dans mon ventre, les intestins ont une autorité d'écraser, d'envoyer des sucres, d'envoyer tout. Et avec le foie et tout, ils mélangent tout et transforment ça pour que je vive, oui ou non. Si mes intestins sont sales, j'ai des problèmes. La plupart des problèmes de maladie viennent de là-bas. C'est pas ailleurs. Donc, chaque partie, mes yeux ont une autorité. L'autorité de me conduire là où je vais aller. Mes oreilles ont une autorité. L'autorité d'entendre ce que je dois entendre. Donc chaque partie de mon corps a eu un degré d'autorité que tout le corps a. Chaque partie. Si la bouche a une autorité pour manger, la bouche d'en bas a une autorité pour évacuer. Si la bouche d'en bas n'évacue pas, la bouche d'en haut ne peut plus manger, oui ou non? Quand tu as fait 3 jours sans manger, sans aller aux toilettes, 3 jours sans aller aux toilettes, est-ce que ta bouche d'en haut a envie de manger encore? Tu es mal à l'aise. Parce qu'il y a une autre bouche qui n'a pas exercé son autorité. Oui ou non? S'il y a un seul membre de ton corps qui ne fonctionne pas, tu as un problème. La même chose avec Jésus. Jésus a donné une autorité à chacun d'entre vous. C'est pourquoi il dit, fille de l'homme, lève-toi et exerce ta domination.
Si tu ne te lèves pas, Satan va te dominer. Les circonstances vont te dominer. Les problèmes vont te dominer. Tout va te dominer. Tout. Tu seras dominé. Tout. Ne laisse rien, aucune circonstance te dominer. Rien. Mon frère. Ne laisse rien. C'est pourquoi dans Luc 10, 17, il dit que l'église, le corps, a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut le nuire. L'église a reçu le pouvoir, ce n'est pas la puissance, il a reçu l'autorité. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit je vous donne cette autorité là pour que vous marchiez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À la fin du 19e, début du 20e, la peste a envahi l'Afrique du Sud. A commencé par Londres et est venue en Afrique du Sud. Pire que Ebola. Les chrétiens sud-africains avaient des problèmes. John Gillex s'est levé. Il a dit que quelque chose ne va pas. Le Seigneur nous a dit, voilà ce que le Seigneur nous a promis. Les chrétiens, je ne comprends pas. Dès qu'il y a un problème, vous écoutez les journaux, la télévision, plus que la voix de Dieu. C'est ça qui vous crée le problème. On vous dit, par exemple, que telle maladie, il n'y a pas de médicament donc, au niveau de la médecine. Et vous, vous tremblez, vous devez vous tourner vers qui? Mais vous, vous tremblez comme les autres. Je ne comprends pas. Mais si vous tremblez, si ça vous attrape, vous êtes cadavre. Donc, vous devez déjà programmer votre mort. Vous programmez déjà votre mort. Je vous pose la question. Je ne sais pas. Pas mis là. La peste a ravagé Londres. Peste à Londres. Londres. Les gens avaient peur. Il y a cet temps. Il y a ça. Ils ont communiqué la peur les uns aux autres. Ils ont transporté la peste de maison en maison. On dit que la bête la peste en tient ça pousser. Et à la fin, ça a quitté Londres, aller jusqu'en Angleterre, en Afrique du Sud. Bah, soyez Londres qui est en Afrique du Sud. Vous imaginez, comme il y a, les Anglais partaient beaucoup en Afrique du Sud, ils ont transporté ça là-bas. Il n'y avait rien. On a envoyé des bateaux venant d'Amérique, des bateaux qui étaient en mer. Et les médecins s'habillaient textuellement comme ceux qui s'occupent des Ebola là. Ils s'étaient habillés tout. Un homme de Dieu appelé John Gillex. Un ancien assureur. Il faisait assurance. Dieu l'a appelé. En ce moment, il est arrivé en Afrique du Sud. Il a dit mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit mon corps, aucun virus ne peut rester là-dedans longtemps. Il peut rentrer, il ne peut pas s'étendre. Ils n'ont pas le droit. Les gens disent qu'il ment. Il dit ok. Puisque on a envoyé des médecins d'Amérique, ils ne peuvent rien. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez pas croire en Dieu? Et on te dit que la médecine ne peut rien. Vous êtes insensé? Si la médecine ne peut rien, celui qui t'a créé peut quelque chose. Tourne-toi vers lui. John Gillex est allé dans, il a dit de l'amener dans le bateau. Où il allait? Il y avait tous les médecins, les laboratoires là. Quand il est rentré, il a dit à tous les médecins qui étaient cagoulés tout. Il dit prenez la salive. Et quelqu'un qui vient de mourir de cette maladie là.
avec les trucs vivants là. Mettez dans ma main. Mettez dans ma main. Placez vos microscopes. Ils ont mis. Ils ont regardé. C'est vivant. Tous les vidéos sont vivants. Il dit, attendez. Même pas 5 minutes. Regardez. Quand ils ont mis sous le microscope, tous étaient morts. Il dit, mon corps est immunisé contre tout virus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que les chrétiens sud-africains ont eu confiance en Dieu encore. L'Afrique du Sud, chrétien, qui est en Syrie. John Alexander Dowie, un pasteur qui était en Australie. Il y a un pasteur en Australie. La même maladie est venue en Australie. Détruisait les gens. Chaque jour, il enterrait des membres de son église. Et les médecins qui étaient dans son église là, disaient non, ça c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui permet ça. Un jour, il était assis devant la porte de son église après avoir enterré plusieurs membres de son église. Il s'est assis à la porte, il a dit à Dieu. Mais les gens disent que ça c'est la volonté de Dieu. Mais comment Dieu peut-il avoir une volonté d'envoyer Christ pour mourir pour les péchés, les maladies? Et en même temps, ce Dieu-là, il détruit son peuple. Il a déjà détruit les païens. Maintenant, c'est les chrétiens qu'il est en train de détruire. Il dit que ce n'est pas normal. Au moment où il était assis, découragé, la pensée divine est venue. Il dit, mais tu ne sais pas que Dieu a envoyé du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Quand il a dit l'emprise du diable, donc tout de suite il a su que la maladie là, c'est l'emprise de qui? Du diable. Il dit, ah bon? Tout le monde dit, les médecins disent que c'est Dieu, que c'est la volonté de Dieu. On te dit que l'emprise du diable. Il dit, ah non. Il dit, mais c'est terrible. Hein? J'ai laissé les gens de mon église mourir pour rien. Il s'est assis. Il a lu. Il a levé les bras vers Dieu. Il a dit, non. C'est le dernier, la dernière personne qui meurt dans mon église. Au moment où il était assis, on a une petite fille a couru pour venir voir le pasteur. Pasteur, venez vite, venez vite. Ma soeur et mon frère sont en train de mourir. Il est arrivé. Il a trouvé un des médecins de son église là-bas, un ancien. Et dès que le pasteur est rentré, l'ancien a dit au pasteur, mais Dieu a des voix étranges pour faire prendre ces gens. Le pasteur dit non, il n'y a rien de Dieu ici. Il dit, viens, on va prendre autorité. Le médecin s'est fâché contre son propre pasteur. Il a dit que son pasteur est illuminé. Il est parti. Quand le pasteur s'est avancé, au nom de Christ Jésus, il a dit à Satan, tu enlèves. L'enfant s'est endormi, la mère croyait que l'enfant était mort. Non, l'enfant s'est endormi. Il y a un autre enfant là-bas. Depuis ce jour-là, la peste n'a pas tué quelqu'un dans l'église d'Alexandre. La médecine ne pouvait rien. Il y a plusieurs années, je vous ai parlé, ce qui se rappelle, je vous ai parlé qu'il y a des nouvelles maladies qui vont venir. Je vous ai dit que le sida là n'est rien. Le monde sera éprouvé. Le monde refuse Dieu. Le monde dit la science médicale. Le monde dit la science. Dieu dit, ok, on va voir. Ce n'est pas Dieu qui envoie ça. Mais Dieu qui protégeait la terre là, puisqu'on dit la science. Dieu a enlevé sa main. Il dit, allez-y. Allez-y avec votre science. Les gens disent que les gens veulent protéger les pays. Ok, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut protéger l'air? C'est pour la tienne. On peut protéger l'air. Alors, les chrétiens doivent prier et asperger l'air, asperger le pays par le sang de Jésus. C'est la seule chose qui vous laisse à faire et avoir confiance. Hein? Dieu a dit que je ne permettrai pas que les maladies d'Égypte vous détruisent. Appuyez-vous sur ça. Si vous ne vous appuyez pas sur ça, là, aujourd'hui vous allez vous appuyer sur quoi? Non, vous allez vous appuyer sur quoi? Non,
non, je vous pose la question. Vous avez l'air de me regarder. Vous allez vous appuyer sur quoi? Supposons qu'il y a un problème. Vous allez vous appuyer sur quoi? Bon. Dans toutes ces choses-là, je vous dis la vérité. Hein, dans tout ça-là, Dieu a des médicaments naturels pour guérir toutes ces choses. Les gens jouent avec Dieu. Toutes les plantes que Dieu a plantées dans le monde-là sont des médicaments, des nourritures. Fils de l'homme, si tu restes, tu t'assois et tu subis ce que les gens disent là, à la radio, dans les journaux là. Continue à subir, mon ami. Continue à t'asseoir. Même les journaux ont dit, les journaux sont Dieu. La télévision est ton Dieu. Toi, tu viens m'écouter, tu n'es pas touché. Un journaliste impie parle, là tu es touché, tu es bouleversé. Tu l'insultes. Moi, j'ai la parole de vie. Comment? 1, 2, 2. Je suis un communicateur. Toi, tu laisses les communicateurs de Dieu, tu écoutes les communicateurs incrédules qui te font peur. Quand tu as fini de regarder, tu vas faire quoi? Tu fais quoi maintenant? Ton cœur commence à battre. Tu te crées tension. Je crée tout maintenant. Tu es en train de donner des paroles de vie. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir et puis être humble avec Dieu. Oh Seigneur, tu as dit que les maladies d'Égypte là ne doivent pas nous détruire. C'est pourquoi tu as dit à Moïse de mettre le sang sur les maisons. J'aspère le sang de Christ Jésus sur ma famille, sur ma maison, sur le peuple de Dieu, sur le Burkina Faso, sur les frontières, sur les pays voisins, sur le Togo, le Bénin, sur la Côte d'Ivoire, sur les pays. C'est ça que vous devez faire. Et non pas vous replier, aller vous asseoir. Vous attendez quoi? Qui va venir à votre secours? Chacun se cherche. Oui ou non? Oui, moi. Qui va venir à votre secours? Le pousser. Tout signe. Fille de l'homme, lève-toi. Et exerce ta domination. Lève-toi. On doit vous encourager. Regardez. Yes, yeah. Le premier fils de l'homme, on va le voir, c'est Jésus lui-même. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 9. Écoute-moi, mon frère. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 9. Verset 5 à 7. Philippiens 2, verset 5 à 7. Philippiens 2, verset 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc Jésus-Christ était Dieu. Mais pour venir sur la terre, regarde ce qu'il va faire. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De sa puissance divine. Comprenez? Il s'est dépouillé de sa puissance divine en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et le verset qui suit, des hommes, semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est pourquoi on l'appelle le fils de l'homme. Écoutez-moi, vous allez bien comprendre la différence. Fils de l'homme, il est devenu un simple homme. Et c'est en tant que simple homme qu'il va opérer. Il a la semence divine. Parce qu'il est de source divine. Ça, c'est naissance. Mais il n'a pas utilisé sa puissance divine. Il a attendu quoi? S'il est un homme, il doit attendre quoi? Le Saint-Esprit. Tout homme doit attendre qui? Le Saint-Esprit. Sinon, même à l'âge d'un an, Dieu fait des miracles, non? Est-ce qu'il a fait un miracle? Est-ce qu'à 12 ans, il a fait un miracle? Voilà.
La semence qui est déposée était la parole. Ce qui était déposé en Marie là, c'est pas un truc, c'est pas frère, ce n'est pas un liquide. Les gens ne comprennent pas. Au commencement était là, la parole était avec. La parole était. Verset 14, il dit la parole a été faite. La parole a été faite. Donc la parole n'était pas quoi? Elle était quoi? Elle était non, elle était Dieu, mais Dieu est quoi? Esprit. Donc la parole était. Ce qui a été déposé dans Marie là, c'est quoi? La parole esprit. Est-ce que c'est pas dans son utérus d'abord, dans son esprit, et ça habillé maintenant par un corps de chair? Voilà le secret de Marie. C'est pourquoi il n'y a aucune goutte du sang de Marie en Jésus. Par le sang de tout homme est déjà pris en otage par qui? Qui a déjà empoisonné le sang des hommes? Marie, son père et sa mère étaient de quoi? Des pécheurs. Donc elle est née quoi? Pécheresse. Est-ce qu'elle peut être attaqué Satan? Non. La parole est esprit. Donc Dieu a déposé la parole esprit dans l'esprit de Marie. Et maintenant, il a ordonné à la chair de Marie d'envelopper. Et c'est pourquoi Jésus était d'origine divine esprit, mais ayant une enveloppe de quoi? Chair. C'est pourquoi on dit la parole a été faite chair. La parole a été faite. Ça veut dire que la parole n'était pas. Sinon, on n'a pas. Elle est devenue. Ça veut dire qu'elle n'était pas. Si elle n'était pas, elle était quoi? Il y a deux choses. Il y a la matière, il y a l'esprit. Donc si la parole n'était pas matière, elle était quoi? Esprit. Puisque la parole était Dieu. Dieu est quoi? Esprit. Vous ne comprenez pas ça? C'est ça le secret. Il n'y a aucune goutte du sang de Marie. À Marie, il ne boude pas trop que Jésus pourra. C'est cet homme-là. Maintenant dans la chair qui attend le Saint-Esprit. C'est le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme, toi tu es fils de l'homme. Et regarde, Dieu va te montrer comment un fils de l'homme peut agir. Si vous comprenez ces vérités-là, vous serez un homme libre. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Alors frères et sœurs, pourquoi Jésus, autre chose je vais te dire, pourquoi Jésus a été obligé d'avoir un corps physique? Dieu lit dans le psaume 115, verset 15 et 16. Psaume 115, verset 15 et 16. Donc, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la. On dit, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Mais il va faire le partage maintenant. Verset 16. Les cieux sont les cieux de qui? Mais il a donné la terre à qui? Au fils de qui? Au fils de qui? Ah. Donc la terre a été donnée au fils de l'homme. Est-ce que c'est au singulier? C'est au quoi? Écoutez, ça veut dire quoi? La terre, elle n'est pas faite pour les esprits. Non. Pour être un habitant de la terre, il faut être un fils. Il faut avoir quoi? Est-ce que Satan a la chair? Est-ce que Dieu a la chair? Est-ce que les anges ont la chair? Est-ce que les démons ont la chair? Alors, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Très bien. La bergerie, c'est quoi? C'est la terre. Écoutez maintenant. La bergerie, là, c'est là? C'est la terre. On dit que celui qui n'entre pas par là, porte. Quelle est la porte de la bergerie terre? C'est la naissance
par une femme. C'est le seul moyen pour qu'un homme soit sur la terre. On te dit maintenant, celui qui n'entre pas par cette porte-là, dans la bergerie, c'est un quoi? Alors, on appelle qui le voleur? Donc, le voleur rentre par où? Par la porte. Par quoi? Mais Jésus là, Jésus est rentré sur la terre par quel moyen? C'est pourquoi Jésus a un corps. Est-ce que Satan a un corps? Alors, comme Satan n'a pas de corps, il cherche le corps de qui? C'est pourquoi Satan cherche que tu lui donnes ton corps. Parce qu'il est illégitime s'il vient sur la terre. Pour que Dieu vienne sur la terre, si tu ne comprends pas, allons lire dans Hébreux 10. Je vais te donner des révélations ce matin. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, mon frère. Verset 5. Verset 9. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, pour venir dans le monde, Christ là, celui qui est là-haut, là, esprit là, pour venir dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour venir sur la terre là, il a fallu que Dieu lui donne un corps. Sinon c'est illégitime. C'est illégitime. Satan allait l'accuser. Tu m'as formé un corps. Ce sont les corps humains qui doivent dominer sur la terre, pas les corps d'animaux. Les corps humains. C'est pourquoi tu te méprises et tu n'arrives pas à dominer, parce que tu ne comprends pas le principe. Si tu comprends ce que je te dis ce matin, fils de l'homme, aucun esprit bon ou mauvais n'a d'autorité sur la terre. Aucun. Dieu veut sauver le monde, il a été obligé de prendre un Abraham. Quand l'homme est tombé, papa, bon Dieu était pressé de sauver l'homme. Mais il ne peut pas. Il faut que tu trouves un homme. Il a fallu combien d'années pour qu'il trouve un homme? C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Mais pourquoi Dieu ne peut pas. Légitimement, il ne peut pas. Il a donné la terre à qui? Il ne peut pas intervenir. Il faut qu'il trouve un autre homme qui va obéir. Il a essayé avec chacun d'entre eux. Donc, tous ceux qui ont suivi, les sept. Les Noé, tous, Métuchéla, Enoch. Ensuite, Noé est venu. Et enfin, il a vu un homme appelé Abraham. Il dit, on va recommencer encore. C'est ça. C'est ce qui fait que l'homme tout le temps accuse Dieu. Tant qu'un homme, Dieu n'a pas trouvé un homme, il ne peut rien faire sur la terre. Écoutez, est-ce que Dieu est Satan est l'opposé de Dieu? Hein? Dieu, il peut faire Satan quoi? Qui va lier Satan pour le mettre dans le feu là? C'est Dieu? C'est qui? Un seul ange. Mais comme nos pensées sont humaines, mais pourquoi Dieu ne veut pas vivre avec Satan? Non, Dieu. S'il fait ça, Satan va dire, tu m'as créé. Il n'y a aucune gloire. Donc Dieu prend une créature pour humilier Satan. Et c'est cet honneur que Dieu te donne. Et toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu es en train de crier, Dieu dit, ma fille, humilie Satan pour moi. Humilie-le, humilie-le. Humilie-le. Il n'est rien. Je l'ai dépouillé. Il est rusé. Et il te crée des problèmes. Il n'a plus de puissance.
Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne voulons pas. Nous voulons que Dieu vienne. Si Dieu vient, c'est illégitime. Illégal. La terre est pour les hommes. Pas pour Dieu. Il dit qu'il a créé les cieux pour qui? Pour Dieu, il a créé la terre pour qui? Les hommes. Dieu n'étant pas un homme. Pour venir sur la terre, il doit devenir quoi? Certains quoi? C'est pourquoi l'incarnation a eu lieu. L'incarnation. Mon frère, ma soeur. Jésus opérait sur la terre comme le Fils d'homme. Quand il faisait des choses là. Mais ça, écoutez. Les démons sont rusés. Jésus opérait comme le Fils d'un homme. Matthieu 9, verset 6. Matthieu 9, verset 6. Matthieu 9, verset 6. Nous allons voir la réaction des démons. Les démons, ils aiment nous créer des troubles, la confusion. Matthieu 9, verset 6. Matthieu 9, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Est-ce qu'il a dit le Fils de Dieu? Je veux pour la... Avant de continuer, les Juifs voulaient lapider Jésus à cause de quelle phrase? Ça voulait dire quoi? Que lui et le Père sont. Et qu'il est le fils de qui? Non, les Juifs disaient, comme lui et le Père sont un là, donc il est fils de qui? Donc il est Dieu. Est-ce que les Juifs acceptaient ça? Okay. Mais en réalité, Jésus disait tout le temps qu'il est le fils de qui? Fils de l'homme. Lui, il opérait en tant que fils de l'homme. Mais les démons sont arrivés à séduire les gens que Jésus n'opère pas en tant que fils de l'homme, il opère en tant que fils de Dieu. Vous allez voir des phrases que vous avez lues longtemps et vous n'avez pas saisi. Reprends Matthieu 9, 6. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, mais aussi de guérir les malades. Il dit, au parti, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Ok. Ça, il dit, fils de, c'est quoi? Qui est ouin. C'est ça, non? Ok. Regardez ce que les démons, j'ai noté, regardez ce que les démons disent. Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu chapitre 9. Matthieu 4. Matthieu 9. Le verset 3. Verset 3. Satan le tentateur s'étant approché de lui. Si tu es fils de qui? À ce temps-là, regardez ce que Satan fait. Il y a ce temps-là, quoi? Si tu es fils de qui? Ouais. Si Jésus disait oui, autrement dit, va dire que tu es quoi? Faut pas dire trop. Non. Ah. Oui. Ah. Si Jésus répondait oui, je suis fils de Dieu, il va lui dire quoi? C'est illégal, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Oui ou non? Tu vois? Il dit, si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Jésus dit que lui, il opère en tant que fils de. Satan dit non, non, non. Tu es fils de Dieu, non? S'il dit oui, il va lui dire, mon ami, tu n'as pas le droit. La fille de Dieu est Dieu. Si tu opères en tant que Dieu, c'est illégal. Il n'y a que les hommes qui opèrent sur la terre. Ça, c'est le patron qui a dit ça. Est-ce que ces petits ouvriers vont dire la même chose ou ils vont changer? Regardons autre chose. Ça, c'est ce que Satan a dit. Regardons Matthieu 8 maintenant. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Regardons. Alors, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadarénais, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Regardez comment ils ont transformer la chose. Vous comprenez? S'il est fils de Dieu, donc il est venu le temps là, et ils savent que
C'est là-haut que Dieu va dire à un ange de prendre Satan. Ce n'est pas sur la terre. C'est là-haut. Donc, il lui dit que s'il est venu avant le temps, il est quoi? Illégal. Il est illégal. Parce qu'il y a un temps pour qu'on lit Satan. Ça, c'est dans Apocalypse. On le trouve dans Apocalypse. Ce n'est pas sur la terre. Pour nous perdre. Est-ce que Jésus a dit qu'ils sont perdus? Jésus les a chassés. Et il dit, tu es venu pour nous perdre. Est-ce que Jésus a dit ça? Regarde la subtilité de Satan. Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre avant le temps. Tu es venu pour nous perdre. C'est pourquoi il faut bien comprendre les deux dimensions de Jésus. On dit qu'il est Dieu là. Il est Dieu dans quoi? Parce que la sémence, il est Dieu de fait. Ce n'est pas la sémence d'un homme qui est en mari. C'est la sémence divine qui est en mari. C'est ce qui fait qu'il est sémence divine. Mais il s'est dépouillé. Pour opérer contre Satan là, il s'est dépouillé et il a été obligé d'attendre quoi? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Est-ce que Dieu oint Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'une onction? Il a opéré en tant que fils de l'homme. C'est pour t'aider toi et moi. En tant que fille de l'homme aussi. Pour que nous soyons loin. Pour humilier Satan. Jésus a fait ta parité fille de Dieu. Menteur. Toi aussi tu es agent patenté de Satan. Toi aussi tu suis pas Satan. Quel mensonge comme ça. Vous savez, Jésus a fait comme ça par les fille de Dieu. Non. Il dit qu'il était homme parfaitement. Il a été tenté en tout. Alors que Jacques dit que Dieu ne peut être. Alors, si on dit que Jésus a été tenté, il a été tenté quoi? Par le sexe. Il a été tenté par quoi? Par le vol. Il a été tenté par quoi? Par tout. La Bible dit comme ça, oui ou non? Est-ce qu'il a péché? Tenté veut dire péché. Pensez tordu comme ça. Là. Mais Jésus est tenté là. Il est tenté par les femmes, oui. Tenté par les femmes, est-ce qu'il a couché à une femme? Pourquoi vous êtes tordu? Tenté en tout. Tout ce dont tu es tenté là. Il a été tenté en tout. Il ne peut pas t'aider. Il a vaincu chaque tentation. Pour t'aider toi et moi. C'est pourquoi il ne dit pas à Dieu, oh Dieu aide-moi. Il dit non. Cette tentation là, je l'ai subie quand j'étais dans la forme de chair. J'ai vaincu ça. Prends possession de ma victoire. Ne me demande pas de faire. Prends possession. Prends possession. Ça, il y a des vérités que l'Église n'a pas entendues. L'Église n'a pas entendu. Et ça vexe les gens. Les gens aiment qu'on prêche que la souffrance, nous devons souffrir sur la terre. Nous sommes des petits vermisseaux sans valeur. Des vers de terre. Si tu es vers de terre, ça te regarde. Moi, je prends un vers de terre. Je ne veux pas insulter Dieu qui a dit qu'il m'a créé à son image. Et est-ce que l'image de Dieu, c'est un ver de terre? Un ver de terre. N'importe qui peut l'écraser. Oui ou non? Si vous, quand j'étais parti il y a plusieurs années au Cameroun, ils sont venus m'interviewer. Ils disaient, ah, mais les gens s'en vont. Et qu'est-ce que vous pensez? En ce temps, les gens couraient. Il y avait des immigrés qui sont morts dans la Méditerranée. Et les journalistes m'ont demandé, ils disent, mais pasteur, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces immigrations-là? Ils disent, mais c'est normal, les gens ne comprennent pas qui ils sont. Ils disent, moi en tout cas, je préfère être ici en Afrique, être la queue d'un lion, que d'être en Europe, être la tête d'un rat. Parce que
Faut pas être tête de tout, hein. Les gens veulent être tête. Faut être tête, savoir de quelle tête. La tête d'un rat. Même le plus petit enfant fait quoi? Il écrase. Mais la queue d'un lion, est-ce qu'on peut toucher? Alléluia. Mais mon ami, si tu veux être tout le temps la tête, tu es la tête d'un rat. Tous les enfants du quartier qui voient le rat, voilà rat. Tout le monde prend quoi? Tout le monde fait quoi? Ta tête est? Mon ami, faut savoir qui tu es. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous faites partie du roi des rois. J'ai dit qu'aucun ennemi ne peut vous toucher. Alléluia. Vous êtes immunisé contre les attaques de l'ennemi au nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur vous au nom de Christ Jésus. La puissance de Dieu vous appartient. Vous avez l'autorité royale. Dans le nom de Christ Jésus. Asseyez-vous quelques minutes. Alléluia. 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 C'est pourquoi Pierre, dans sa prédication, a dit, vous savez, c'est Jésus, cet homme-là. Dans Actes 2, 22, on va parler, cet homme-là. Dieu a fait, rendu témoignage par des signes, des miracles. Dans Actes 10, 38, il dit, mais Dieu l'a oint. Voilà le fils de l'homme. Et si tu sais ça, je vais terminer ce matin en ouvrant le livre d'Ézéchiel. C'est là-bas où il y a le mot fille de l'homme plusieurs fois, fille de l'homme. Et tu vas comprendre quelle est l'importance de ta filiation en tant que fils de l'homme. Écoute ce que fille de l'homme, Dieu a dit cela plusieurs fois à Ézéchiel. Ézéchiel. On commence d'abord à Ézéchiel 2. Tu vas voir les différentes qualités d'un fils de l'homme. Ézéchiel 2. Ézéchiel chapitre 1. Et au verset 1. Verset 1. Le Seigneur me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, fils de l'homme, fais quoi? Lève-toi et je te parlerai. À ce matin, fils de l'homme, vous qui êtes là, Dieu vous dit, tiens-toi sur tes pieds et il va te parler. C'est le moment où je vais te parler. C'est le moment où je vais parler la parole prophétique sur toi. C'est le moment où je me tiens ici un peu plus haut, que tu comprennes. Fille de l'homme, il dit, tiens-toi sur tes pieds. Dis avec moi, je me tiens sur mes pieds. Car je suis fille de l'homme. Pour entendre la voix du Seigneur. Seigneur, je suis prêt. Parle-moi ce matin. Ton serviteur, ta servante, écoute. Verset 3. Il me dit, fille de l'homme. Nous sommes chapitre 2 toujours. Verset 3. Il dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Fille de l'homme. Je t'envoie vers les enfants du Burkina, du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire. Je vais t'envoyer. Accepte ce matin. Dis avec moi, Seigneur, j'accepte ton envoi. Je suis debout pour cela. Je suis prêt pour cela. Pour parler à ces hommes qui se sont détournés de toi. Seigneur, me voici ce matin. Et il dit au verset 5 maintenant, il dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas.
Il dit, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Dis au Seigneur, je suis ce prophète, cette prophétesse. Les gens de ce monde sauront qu'au milieu d'eux, il y a un prophète, une prophétesse. Que j'ai des paroles prophétiques dans ma bouche. J'ai des paroles puissantes dans ma bouche. C'est ce que je suis, Seigneur. Verset 8 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Il dit, fille de l'homme, écoute ce que je veux te dire. Écoute ce que je veux te dire. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Alors ce matin, le Seigneur te dit que ce que son serviteur t'a donné là, Dieu dit, ouvre ta bouche et mange ce qu'il t'a donné là. Dis au Seigneur avec moi, Seigneur, je mange ce matin. Je mange ce matin la nourriture qui m'a été donnée. Car tu as dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est sortie ce matin. Je suis fils de l'homme. Et à cause de cela, j'ai l'autorité. Tu m'as élevé avec toi. Je fais partie de ton corps. Ce matin, je te remercie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce que je mange ce rouleau-là de la parole de Dieu, de la parole de grâce. Et cette parole-là fera son effet en moi, va agir puissamment en moi. Verset 17 maintenant de Exode 3 et Ézéchiel 3. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Verset 17. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle pour écouter ma parole et pour avertir les avertis de ma part. Ce matin, le Seigneur établit chacun d'entre vous comme une sentinelle. Et il vous donne des paroles de puissance. Et les gens seront étonnés. Ce que vous direz dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos nations, dans vos pays, ce que vous direz, les gens vont prêter attention à partir de maintenant. Vous avez tellement de la valeur que les gens vont venir vers vous. Ils sauront que vous avez la parole de vie. Et alors vous ouvrirez votre bouche. Vous leur donnerez la parole de vie au nom de Christ Jésus. Vous allez les libérer au nom de Christ Jésus. Vous allez les changer au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi le Seigneur ce matin t'a dit, il m'a dit de te dire que tu es important à ses yeux et que tu es fille de l'homme et qu'il t'établit ce matin au nom de Jésus Christ. Ézéchiel 28 verset 2 maintenant. Ézéchiel 28 verset 2. Écoute toujours la parole de Dieu. C'est pour toi ce matin. Il dit, fille de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu, ça c'est Satan. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Et dis, toi tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu vas dire au prince de Tyr qui est Satan, Satan, Dieu m'a établi ce matin comme fils de l'homme. J'ai l'autorité au nom de Jésus. J'ai la puissance par le sang de Jésus. Satan, je te dis, tu t'es élevé, tu as voulu te comparer à mon père, à mon père Dieu, mais ce matin tu seras détruit comme une simple créature. Ta sagesse, toutes tes richesses, ton autorité ont été reprises par Jésus. Et à cause de ça, moi j'ai autorité sur toi. Satan est ta horde de démons. Au nom de Jésus-Christ,
Et en tant que fille de l'homme, j'ai l'autorité sur toi. Car moi, je suis entré par la porte dans la bergerie. Je suis, écoute-moi Satan, je suis né d'une femme, la voie légale pour être sur la terre. Mais écoute-moi, je suis né aussi de nouveau par le Saint-Esprit. J'ai un double avantage sur toi. Par ma naissance physique, je peux opérer sur la terre. Par ma naissance spirituelle, j'ai autorité sur toi. Nous ne sommes pas de la même catégorie. On n'appartient pas à la même famille. Je fais partie de la famille du lion de Juda. J'ai autorité sur toi. Au nom de mon Seigneur, tu plies genoux devant moi. Tu m'as entendu? Tu dois le faire. Tu obéis. Au nom de Jésus. Ézéchiel 29 maintenant. Ézéchiel 29 maintenant. Regarde le verset 2. Il dit, parle et tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons et les fleuves. Dieu te dit de dire à Pharaon, tout Pharaon, qu'à partir de maintenant, toi, fille de l'homme, tu vas mettre la boucle à leur mâchoire et qu'ils ne pourront plus te détruire, qu'ils ne pourront plus boire ton sang, qu'aucun pharaon, un sorcier pharaonique, aucun démon pharaonique n'a le droit sur ta vie. Ce matin, dis avec moi, je suis le fils de l'homme. Tout pharaon sous forme de crocodile, sous forme de buffle, sous forme d'animal satanique, n'a aucun pouvoir sur moi. Tout serpent, tout singe, tout animal satanique, je mets une boucle à vos mâchoires. Je ferme votre gueule au nom de Christ Jésus. Vous ne pouvez pas boire mon sang. À partir de maintenant, en tant que fille de l'homme, j'exerce ma domination sur vous. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est moi qui domine. Je ferme votre bouche dans le nom de Christ Jésus. Dis avec moi, fille de l'homme, je le suis. Le Seigneur a dit qu'il va éloigner de moi toutes les maladies qui ont frappé les Égyptiens. Il a cité tout cela dans Deutéronome 28. Et il a dit les nouvelles maladies. C'est pourquoi, en tant que fille de l'homme, le sang de Christ me couvre. Couvre ma famille. Couvre ma ville. Couvre mon pays. Par le sang de Christ Jésus, je suis couvert, je suis protégé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis couvert, protégé. Satan, Pharaon, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Ézéchiel 31 maintenant. Ce matin, c'est des proclamations pour toi. Car l'ennemi est en fureur, il s'est levé. Ce matin, tu dois le paralyser. Ézéchiel 31. Il dit, fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Tu vois? À qui ressembles-tu? Dis à un simple arbre. Dis ce matin, Pharaon, jusqu'à présent, le monde a eu peur de toi. Mais mon père m'a dit de dire que tu ne ressembles à rien qu'un simple arbre qu'on déracine, qu'on brûle. C'est pourquoi tu n'as pas de pouvoir sur moi.
toutes tes malédictions venant de mes ancêtres, même d'Adam, ont été déracinés. J'ai été libéré. En Jésus-Christ, je suis béni de toutes les bénédictions. Satan, tu n'as pas d'emprise sur moi. Quoi que tu fasses, je suis protégé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Maintenant, fille de l'homme, il te dit, chapitre 37, Ézéchiel 37. Il dit, fille de l'homme, il dit, prophétise sur ces eaux. Là, tu vois encore fille de l'homme. On n'a pas de prophète, mais fille de l'homme. Prophétise sur les eaux. Dis aux ossements desséchés d'écouter la parole de l'Éternel. Alors, tout ossement desséché dans ta vie, tout ce qui semble être mort dans ta vie, tout ce qui semble être détruit, l'échec dans ta vie, Dieu dit, un fils de l'homme ne ferme pas sa bouche. Tu dois l'ouvrir. Tu dois dire à ses ossements secs d'écouter la parole éternelle. Dis-leur que tu leur donnes des nerfs de faire croître eux la vie, la croissance, l'abondance, la victoire, tout ce qui semble avoir échoué. Dis-leur que tu leur proclames le succès maintenant. Tu proclames la victoire. Si ce sont tes enfants, si c'est ton travail, si c'est quoi, parle, parle, parle. Toi, aux ossements secs, écoutez-moi. Ossements secs, ça peut être les seins secs. Ça peut être les seins de la pauvreté. Parle ce matin. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Parle ce matin. Parle ce matin. Ossement sec. Vous n'avez pas de pouvoir. Ossement desséché. Vous n'avez pas de pouvoir. Dans le nom de Christ Jésus. Et il dit maintenant, fille de l'homme, oh, tu ne sais pas une chose. Il dit, parle à l'esprit. Ah, tu as le pouvoir, parle à l'esprit. Invite l'esprit. Il dit à l'esprit, viens des quatre vents. Souffle sur tout ce qui est détruit dans ma vie. Tout ce qui a échoué dans ma vie. Et que tout cela revienne à la vie. Alors parle au Saint-Esprit maintenant. Invite le Saint-Esprit de venir vivifier, restaurer, revigorer, bénir ta vie, guérir ton corps. Il est l'esprit de vie. Invite le Saint-Esprit. 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 De venir. De venir. De venir. De venir. Au nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. Asseyez-vous une minute. Asseyez-vous une minute. Si vous lisez dans Exode. Exode 7. On ne va pas le lire. Exode 7. Si vous levez les mains, c'est pour terminer par là. Écoutez-moi. Vous devez. Moïse est rentré chez Pharaon. Moïse n'a pas d'identité. Personne ne connaît l'identité de Moïse. Son seul nom, sauver des eaux. Sauver des eaux. Ça, c'est pas une identité. C'est pourquoi il est rentré chez Pharaon. Il est rentré. Pharaon lui a dit, mais qui tu es? Il est revenu dire à Pharaon, à Dieu, que lui, il est rentré chez Pharaon. Ça n'a pas marché. Ah, Dieu déjà, tu as raison. Ton nom Moïse là. Qui te l'a donné? Ah. Qui a donné le nom Moïse? C'est son père et sa mère. Vous connaissez le vrai nom de Moïse? Qui a donné ce nom là? C'est la fille de Pharaon. Dans quel palais? Parce que le dieu de Pharaon, c'était quoi? L'eau. Chaque matin, il était près de quoi? De l'eau. Alors, si on te donne le nom d'un dieu de l'eau, tu peux combattre cette personne-là? Hein?
C'est pourquoi le nom qu'on t'a donné dans le village, là, le nom de la forêt, là, tu as problème. Nom des montagnes, tu as problème. On appelle le nom ta grand-mère. On dit, ta grand-mère s'appelle quoi? Celle qu'on ne voit jamais. Dans ta langue. Alors, c'est pourquoi, quand les hommes te regardent, ils ne te voient pas. Tu ne peux pas te marier. On a dit que on t'a donné le nom de ta grand-mère. Amore, ça veut dire quoi? On ne te voit pas. Ah. On donne un nom comme ça à quelqu'un. Est une fille. Ça veut dire quoi? Quand elle veut se marier, quand les hommes la regardent, ils ne la voient pas. Tu vas continuer à ce nom-là. Ça peut opérer. C'est ça que le nom Moïse avait. On l'a pris en otage en lui donnant ce nom. Parce que le dieu de Pharaon, c'est l'eau. Tu as vu, non, on l'appelle crocodile, non? Tu as entendu? Alors, un crocodile, il mange tout ce qui est dans quoi? Dans l'eau. Donc Moïse est un petit pain pour qui? Pour Pharaon. Dieu dit à Moïse maintenant, je te fais Dieu pour qui? Dieu, il a élevé, oui ou non? Il a donné quelle identité? De Dieu. Et Aaron est devenu quoi? Prophète. Regarde les deux filles de l'homme rentrer chez Pharaon. Il rentre chez Pharaon avec un simple bâton. Écoutez, fille de l'homme là, le bâton de Moïse, c'est son autorité. Cette autorité, tu l'as plus que Moïse. Vous comprenez? Moïse rentre, il dit à Pharaon, à Aaron, moi je suis Dieu, toi tu es prophète, fais la démonstration. Il met dans la bouche de Aaron la parole. C'est ce que Dieu fait. Dieu est assis au ciel, il regarde. Il a dit à Michel, Gabriel, regardons quelque chose. Regardons le Dieu de la terre, comment il a dit. Moïse a dit à Aaron, moi je suis Dieu, à la place de Dieu ici. Hein? Toi tu es mon prophète. Un prophète reçoit la parole. La parole là, reçoit là. Jette ton bâton. Aaron jette son bâton. Quand il jette son bâton, Pharaon se lève. Il dit, moi aussi je suis un dieu. J'ai des agents pour exécuter. Il dit à ses magiciens, jetez vos bâtons. Écoutez maintenant. Mais Moïse est lié à qui? Moïse est lié à qui? Au ciel. Moïse s'arrête avec Aaron. Il regarde. Serpent pour serpent. Le serpent de Aaron se lève. Il est le roi des serpents. Il est le roi des. Un roi fait quoi? Il décrète. Il décrète avec quoi? Sa bouche. Mais quand un serpent décrète, c'est pour faire quoi? Envoyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé le premier. Avalé le deuxième. Il a avalé. Quand il a fini d'avaler les autres serpents, il est le seul roi qui est resté debout. C'est ça que Dieu fait dans ta vie. Tous les serpents de Satan, tous les serpents, je dis dans ta vie, tout ce que Satan a connu, tu vas les avaler au nom de Jésus. Ta vie sera changée totalement au nom de Jésus. Toute l'humiliation que Satan a voulu mettre sur toi, toutes tes humiliations seront enterrées au nom de Jésus. Toutes les faillites que Satan a mis sur toi, ces faillites seront détruites au nom de Jésus. Je parle ce matin-là, en tant que fille de l'homme, mon frère, ma soeur, tout ce que Satan a volé, je serai restitué au septuple au nom de Jésus. Satan a volé la famille de Job. Dieu a tout restitué au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur ce matin. Satan ne peut rien contre toi. Il pense avoir réussi. Il pense qu'il a réussi. Mais il vient d'échouer lamentablement. Dieu met sur vous sa paix et sa joie au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Soyez totalement bénis au nom de Jésus. Ne laissez pas Satan vous accuser. Refusez. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez remplis de la paix de Dieu au nom de Jésus.
Dieu a des grandes choses pour vous au nom de Christ Jésus. Recevez l'onction de Dieu au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, vous êtes bénis. Marchez dans la bénédiction. Tu vas saisir. La voilà serait. C'est l'amour seul qui peut changer votre âme. Il y a des merveilleux plans pour toi. Quand vous laissez l'amour rentrer, pénétrer en vous, tout ce qui est déséquilibré, les amertumes, les peurs, quels sont les cris et les défis de l'amour? C'est ça le secret. Quand l'amour rentre dans ton âme, la peur s'en va, la haine s'en va, ces choses-là s'en vont. Frère, la puissance de l'amour. Donne-moi de ton amour, de ton amour, afin d'aimer comme tu veux. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. L'amour ne peut pas périr, il ne peut pas mourir.